Bonjour Florian Dronavia, aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un parachute Zephyr simple et double sur Matrice 30. Votre parachute se présente comme ceci, donc la partie fixation avec les pièces en aluminium, les deux sangles, le support, ainsi que le tube de parachute et sa partie CO2. Le montage de votre parachute est le même pour le simple et pour le double. Dans un premier temps, il suffit de le présenter sur le haut de votre drone. On vient le visser sur le support de nacelle, juste là. Donc sur la partie basse, on retrouve ici la plaque carbone qui vient se mettre dans les emplacements de vis, autour des capteurs, voilà. On peut venir le reposer au sol, voilà. On a la dernière fixation qui est ici, qu'on vient clipser. Ici, l'installation de votre parachute est terminée. Ici, on peut voir le système de réglage de la sangle qui vous permet d'ajuster sa longueur. Lors du verrouillage ou la fixation de votre parachute, vous devez sentir une légère résistance. Ici, signe que la sangle est correctement réglée. Le système de fixation du parachute double est exactement le même que celui du simple. Pour la partie démontage, rien de plus simple. Sur le côté de votre drone, vous avez le même petit loquet. Il suffit de le soulever. Voilà. Donc là, on vient le libérer. Simplement, on dévisse les deux vis molletées supérieures. Le parachute est libéré. C'est terminé.